Bonjour tout le monde, c'est Rex Project. On se retrouve pour continuer Ghostwire Tokyo. Rappelez-vous, on était légèrement bloqué. Non, c'est pas ça. Comment je fais pour m'accroupir déjà? Je sais plus. On était légèrement bloqué sans le moindre pouvoir dans les sous-sols. Se déplacer, sprinter, c'est pas ça, c'est. C'est cool. Ouais. Voilà. On était légèrement dans la mélasse, donc. Tachiwa. Tachiwa caca sur ton doigt. Je peux grimper et fiche le camp vite fait d'ici. C'était où déjà? Voilà. C'est un moment que j'ai pu toucher, donc de nouveau je suis bon pour de toute façon c'est comme ça sur beaucoup de jeux en fait en ce moment. Elden Ring, ça fait presque 2 mois que j'ai pas touché, je crois. C'est quoi ça? Bah, je sais pas le ramasser parce que je suis déjà plein de bouffe. Ok. Je remonte tout ça, quoi, l'horreur. Est-ce que je peux récolter quand même les esprits? Merde. Oh, Eric, t'as chié dans la colle. T'as gâché une... Il y a un autre esprit ici au-dessus, on dirait pas. Donc en fait ça va. Là il n'y a rien. Il va falloir que je trouve Keke pour réussir à me sortir de ce bordel. Quand même pas en train de me dire que je pouvais venir par ici. Je pouvais passer par ici, mais c'est une grosse blague. C'est une grosse blague. Maintenant ça va, j'ai le truc pour me dire par où je dois aller. Ce que j'étais en train de me dire, me dites pas non plus que j'ai grimpé tout ça pour rien. Ah, oh, j'ai que 6 flèches quoi, c'est la dèche. Et je déteste les trucs d'infiltration, je suis nul à ça. J'ai juste un gros bourrin moi. Attendez, ça enregistre mieux. Ouais. J'avais un doute. J'ai un doute, j'étais en train de me dire quoique. Ouais, non, ça va. J'avais vraiment un gros doute, j'étais en train de me demander. Attendez, hé, oh. Eric, espèce de con, t'aurais pas oublié de mettre OBS en route? Non, non. Bon, par contre, un truc comme ça me fera pas peur vu ce que je viens de faire. Hein. Je viens de sortir du tournage de réminiscence. C'est bon.
Est-ce qu'ils peuvent me perdre? J'ai merdé là. Oh merde. Plus vite, allez, allez, allez. Ouf, alors, est-ce qu'il y a moyen de trouver des flèches quelque part? Ou est-ce que je peux m'accrocher derrière l'oreille, ça aussi? Problématique. Tout n'est que discrétion dans ce jeu, allez. Yes. Pour les niveaux supplémentaires, je les ferai plus tard. Ouf. Allez, c'est parti mon kiki. J'ai l'impression qu'il est un peu plus haut depuis qu'il y a eu des patchs. Ah d'accord, on sort ici. Ok. Alors, faut retourner à son appart. Attendez, la planque de Kéké. Alors, je veux bien, mais je sais même plus où c'est. Oh, merci. Punaise, et forcément, vu que je n'ai plus... J'ai plus de pouvoir, donc c'est la merde. C'est la merde grand style, quoi. Merci, au revoir. J'ai bien fait d'épurer tous les environs, à mon avis.
Ça me fait moins de saloperies à éviter. Yes, j'y suis. Nanda. Hein? Darda. ずいぶん仲良くしてたみたいじゃない。あの口の悪い男と。で、助けたいのね。でもできるかしら、そのおもちゃだけで。力が必要でしょ、彼の。でも、どこに連れて行かれたかわからない。 あなた、やっぱり気づいてないのね。彼とのつながりは自分の中にあるってことに。え？ Il a l'air encore moins étonné que ça, mon vieux. これ、彼に渡してくれる？大切なものだから。 Regard intense. Pivotation vers caméra. Et là, je me sens con. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolé, hein, je déconne un peu, mais. Est-ce que ça veut dire qu'il est dans un entre-deux mondes où il y a des morts, des vivants, pas morts? En fait, je suis curieux d'avoir l'explication du bleu. Mec, t'étais obligé d'ouvrir? Ça par contre c'est vraiment une question que je me pose. T'étais obligé de... Ah d'accord, c'est ça le livre. T'étais vraiment obligé de lui ouvrir, d'ouvrir le truc et de regarder? Ouais, relever des champs magnétiques, tout ça, ça a pas changé. Ce serait ça le lien? C'est le mec sans gêne quoi. Tu mets un sonia qui nous dit... Oh c'est dingue. Mec, t'es dans un monde où il y a des esprits et t'as un oni géant qui a failli te défoncer. Tu trouves ça dingue? Pokémon, le pouvoir est en toi. Deuxième film de la franchise. Maintenant, je sais pas à combien ils sont, doivent être à 20. Merde. Ennemi droit devant. Fufu mode. Technique d'épuration numéro 23. Voilà, ils finissent par me lâcher si je cours assez vite. Donc ça, c'est une bonne chose. On va absorber les esprits et on va directement les refourguer. Numéro spécial. Oui. C'est marrant parce que le jeu est déjà en, a déjà une promo. Alors, apparemment, c'est mi-fig mi-raisin. Il y en a qui trouvent que c'est pas ouf ouf. C'est pas ouf, certes, mais moi je trouve que c'est...
je trouve en fait agréable qu'ils essayent de que le studio essaye de faire autre chose. Sortir de ses habitudes. Oh non. Il va falloir que je me débarrasser de la petite du petit jaune d'abord. C'est essentiel. Mais la bonne question là, c'est plus comment faire? Comment faire dans le sens par où passer en fait. Ouais non, il me grille facilement l'enfoiré. Ok, je peux rester comme ça sans devoir m'accroupir, il me verra pas. Même s'il y a une tête qui dépasse, mais bon. Oups! C'est génial, j'ai plus de flèche. Je tire comme un manche. Est-ce qu'il y a des flèches dans mon coin? On peut espérer, hein. Il y a de la thune. Cassez-vous les corbeaux. Yes! Rapport rédigé par Keke au sujet de disparition dans le brouillard. Il vous octroie des points de compétences d'esprit supplémentaires. Cool. Bon, du fric. Pour ce que ça va me servir. T'as de l'argent dans le monde des morts. Ouais. Bon, eux, je les ai descendus. Ça ici, je peux rien faire contre. Sans mes pouvoirs pour épurer, c'est inutile. J'ai que 5 flèches, c'est pas ouf. Non. Oh punaise.
faut se mouvoir comme l'eau. C'est, j'ai plus, même plus de qui c'est ce truc là, j'ai jamais compris. En même temps c'est écrit par un chinois donc il me semble que c'est un chinois. Pour comprendre ça, faut être occidental. Ou faire des études là-dedans. Et puis, manquait plus que ça. Ah, je peux pas aller là-dedans. Oups! Discrètement. T'es une ombre. Et non, ramasse la bouffe, abruti! Bah les flèches sont plutôt efficaces en fait. Tout ça pour un aspirateur, t'es sérieux? Cinderman. Au revoir, Cinderman. Et voilà. Je suis rentré. Les cinématiques ont toujours un peu de mal. Océan d'ailleurs, Noromana. Tasuke ni kuru te wakatte ta yona kuchiburi da na. Tasuke? Nani sama no tsumuri da? Ore no chikara ga hitsuyou da kara kita. Sou iu koto da ro? Sore wa アジトで女の人から押し付けられた。はあ？あいつ生きてるのか？いや。死んでまで世話焼きとはな。家族だろ。あんた、助けるために。お前には関係ない。俺とお前は進む方向が同じ。それだけだ。これはしまっておく。で、来るんだろ一緒に。人に物を頼む態度じゃねえな。頼んではいない。あ、les deux mêmes têtes de leur。取引だ。お互い拒否はできない。後悔すんなよ。Ça y est. お前の連れか。ああ、仲良くしてやってくれよ。仕方ねえな。
What? Connexion, connecter à une idée. Connexion. Quand la résonance est au maximum, ressort complètement les mêmes. Ok, d'accord, donc c'est un mode berserk en quelque sorte. C'est cool ça. Oula. Nanda. Wow. Mission terminée. Bah voilà. C'est bien en plus, comme ça, ça me fait un petit épisode pépère. On arrive à chapitre 3. あの女の人仲間なんだよね。リンクのことか。さあな、どうとも言えん。どういう意味？仕事仲間だ。仲がいい必要なんてあるか。あ、なるほど。いや、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